c'est du carton recyclé donc que je plie et que je colle pour créer mes animaux. Donc c'est des animaux, il n'y a pas d'armature, c'est intégralement en carton. Et voilà, je fais différentes tailles. J'ai commencé il y a 2 ans et c'est devenu mon métier. De formation, je suis architecte d'intérieur et en fait, par passion, je suis peintre. Donc, si c'est une de mes œuvres réalisées en 2016, qui est une cavalcade de zèbres. Donc, je compose en fait, hein, je pars de photos, mais pas la photo n'est pas représentée telle quelle. Donc, je fais ma propre composition en fait, et mes propres couleurs. Voilà. Je m'intéresse surtout à l'art animalier, mais je fais aussi du portrait de personnages. Et je fais ça depuis l'âge de 12 ans. J'ai commencé la sculpture il y a 1 an et demi. Celui-ci m'a pris 6 mois. Je crois que, croyant l'avoir tout à fait terminé, je le montrais à un expert, M. Sotheby's, et il me disait, Jean, est-ce que tu crois que tu peux faire mieux? Et il y avait un peu quelque chose qui me dérangeait. Alors j'ai dit oui, je peux faire mieux. Alors il m'a renvoyé chez moi. Le soir, j'ai pris mon marteau, je lui ai cassé toutes les pattes et j'ai commencé pour donner ceci qui m'a satisfait et qui apparemment fait l'approbation d'un certain public assez large. Il fait presque l'unanimité, c'est ce qui fait très plaisir évidemment. Et il est amusant, il a un déhanchement. Ah oui, oui, oui. Il est prêt à recevoir le choc de son attaquant. Avec bon, les muscles saillants et la puissance que dégagent ces animaux de la savane qui peuvent être paisibles. L'instant d'après, bondir dans une attaque terrifiante. Voilà, c'est un peu cette ambiguïté entre le calme de l'herbivore qu'ils sont tous les deux et aussi bon, la vitesse à laquelle ils peuvent passer à l'attaque si quelqu'un vient les embêter, animal ou. Je me suis baladé avec 2 Indiens ce matin, je t'envoie une photo ce soir. Je reçois la photo. Je tombe amoureux de la démarche de cette lionne et je change donc mon projet. Et
je modifie donc les pattes, ce qui me fait modifier le mouvement du dos et des muscles aussi, le cou, la tête, les oreilles, jusqu'au bout de la queue, tout a dû changer. Et on retrouve les deux sensations qu'on voit quand on regarde cette photo, c'est la souplesse de la démarche. Il est bondissant et d'une légèreté. Le guépard, au départ, l'idée m'est venue en feuilletant des aquarelles de Rodin et ses danseuses. Ce n'est pas si facile parce qu'il fallait trouver un point d'équilibre assez exact. Parce que je voulais que le tout tienne sur une patte. La fonderie me disait non, deux, sinon ça ne tiendra pas. Et puis voilà, le résultat tient sur une patte. Et la danseuse étant, mon guépard danseuse est en équilibre. Et donc je regarde beaucoup de vidéos d'animaux sauvages en combat. Et donc là, il s'approche de son adversaire en le regardant de haut. Mon nom est Christian Grand. Je suis photographe professionnel, artiste photographe. Puis j'ai un autre travail à côté qui sont des photos maintenant travaillées. Donc c'est toujours des photos que je prends sur le terrain. Donc là par exemple c'est une lionne qui est prise au Kenya également, au Masai Mara. Et là un léopard qui est prise dans la nature également, donc c'est pas du tout dans un zoo, rien du tout. Et que je transforme, je dirais, avec un ordinateur pour pouvoir montrer autre chose que ce qu'on voit d'habitude. Alors, votre nom de l'artiste ? Alors, je suis Pascal Benetou. Voilà, parisienne ? Oui, de la région parisienne. En fait, je vis en Normandie plutôt, oui. Voilà, où j'ai mon atelier et où je crée. Bravo pour les objets que vous avez amenés ici à Bruxelles. Oui, donc il y a celle-ci, là, la Miss. Oui. Et puis il y a aussi les deux chiens. Là. Alors, vous nous disiez hier qu'une des difficultés était d'avoir défini
le dessin de la queue. Oui, c'était la queue ou les petits détails en fait qui font l'équilibre de la pièce et la force de la pièce, bien sûr. Oui. Bien sûr. Comme le nez, comme et la longueur des oreilles, enfin, tout est. Oui, c'est une magnifique interprétation. Alors, encore donc, une création de Pascal Benetto. Harry, le bélier, avec ses macarons. Oui, quelle belle trouvaille. Et puis le pingouin chic avec son col complètement épuré, avec un col Chanel. Et tout ça, donc, c'est du bronze? Oui, ce sont des bronzes, oui. Patiné avec beaucoup d'attention par la fonderie, mais sous votre surveillance? Ah oui, oui, tout à fait, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Merci. Le résultat est magnifique. J'aime bien aussi parfois polir un peu certaines parties de la pièce pour qu'on puisse voir apparaître le bronze en transparence. Oui. J'affectionne tout particulièrement les grands primates et j'ai été prise en 2014 à Bruy-sur-Marne. Mon travail passe régulièrement aux ventes aux enchères et